Salut à tous et à toutes, moi c'est Lavache et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Lavache qui froute. Aujourd'hui on est dans le gay club de Sébastopol. Non, c'est un bar. Je sais pas pourquoi il me fait penser à un gay club, mais c'est peut-être les lumières. Bon. Je vous souhaite la bienvenue les amis, j'espère que vous êtes de plus en plus à me rejoindre et que vous appréciez mes vidéos. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser des commentaires avec le jeu que vous voulez jouer, si vous voulez qu'on se fasse un petit plan, hein, sur un jeu vidéo bien sûr. On peut se faire un petit Battlefield, un Call of Duty, ou encore peut-être, je sais pas, moi, un Counter-Strike, j'en sais rien. Donnez-moi des idées s'il vous plaît, j'ai pas d'idées. Bon, en tout cas, sur le dernier épisode, on a réussi à coincer la bestiole dans une sorte de laboratoire qui se détache de la station. On a eu le droit à une cinématique de malade. Genre, je me suis vu dans un Call of Duty, quoi. Il y avait de l'action et tout. Après, on a fait un petit tour dans l'espace, hein, avec la combi. Et là, nous sommes en train d'essayer de retourner au cabinet de Monsieur Marshall, le shérif. Cowboy. Jumper. Et je sais pas où je dois aller. Que Samuel il va se retourner contre nous et qu'il va essayer de nous buter cet enfoiré. Je le savais que ce gosse de vieux il avait quelque chose de bizarre. Chantait qu'il avait un truc qui tournait pas rond chez lui. Déjà je pensais même pas qu'il était un androïde. S'ils avaient su. Viol de clavier. Viol de clavier. T'aimes ça mon salaud. Ça va plus être une chaîne de jeux vidéo, ça va être une chaîne porno maintenant. Badass l'androïde. Non, y a pas de porte. T'es fermé ici. Et merde. Et j'ai utilisé deux tasers pour rien. Non. Putain, mais y en a combien? Oh merde. Je m'y attendais pas à celle-là. Oh putain, j'ai failli le tuer. Bon allez, c'est reparti. Oh putain, il est sympa le shopping center. Ouais, j'ai remis un peu de lumière parce que... Parce que je n'avais pas vu que je n'étais pas éclairé, du coup vous avez peut-être pas dû voir grand chose, mais bon. Oh merde. Putain, ça part grave en couille ici. Oh, il est badass le fusil à pompe. Je suis sûr, je me rappelle de l'androïde dans le film Alien qui disait qu'en gros c'était la créature parfaite, qu'il fallait le laisser en vie, blablabla. Je suis sûr que Apollo il a pété un câble à cause de ça et que du coup il a reprogrammé les androïdes pour nous buter maintenant. Et je parle super fort, hein, je m'en excuse, mais
C'est que j'ai le jeu à fond en fait. Et j'ai peut-être mes voisins qui vont péter un câble. Bref, je cours hein, tant que je peux courir. Alors là, ça sent la cinématique. Bon, bah on n'aura jamais de règlement de compte avec White. T'sais, ici c'est l'endroit des malheurs quoi. Entre l'alien, les androïdes, les humains qui pètent un câble. Allez, on va sauvegarder, ça sera déjà pas mal. Ah, ce feubeu. Je me fais harceler par feubeu. Oh putain, ils sont sympas leur lit. Ça me ferait chier de dormir là-dedans. En tout cas, je crois qu'ils se sont fait accueillir comme il faut là-dedans. Du loot, une pièce fermée, nice. Est-ce que je me retrouve là où j'étais tout à l'heure? Mais non, t'as rien vu. Je m'en fous, j'ai un fusil à pompe, une bastos dans la tête. Putain, les putes, ils nous ont. Ne courez pas. Et bim! Ça va bien se passer. Ouais, je suis sûr que ça va être comme dans le film. Il va y avoir une cinématique avec ça. Je sais pas où je vais, mais j'y vais en tout cas là. C'est vraiment au pif. Tant qu'à faire. Ah bah c'est bien. Je crois que c'est là où je vais aller. Ça tombe bien. Un petit peu de lecture les amis. Alors, laissez-moi mettre mes lunettes. Non, je déconne. Alors, quels sont tes projets? Salut Marthe, je suppose que t'as entendu parler du démantèlement de la station. Quels sont tes projets? J'ai quelques connaissances qui peuvent me faire entrer en contact pour du taf une fois qu'on sera parti. Je promets rien, mais peut-être qu'on pourra te trouver un truc aussi. Ils ont commencé à fermer les magasins, dans les galeries. Ton emplacement était déjà condamné depuis l'année dernière. Je compatis à ta perte. On dirait que t'as jamais eu de peau. T'as encore des nouvelles de Margaret et des gosses? Peut-être que tu devrais passer les voir quand tu auras quitté Sébastopol. Dis-moi si tu veux que je demande pour toi, Jillen. Ça là est un truc chelou ça, hein. Risque de sécurité. Blit, il faut qu'on trouve un moyen d'éteindre ces concierges automatisés. Il y a un problème de sécurité. À chaque fois qu'ils commencent leur circuit de ménage, il y a un risque qu'ils ouvrent un chemin pour cette chose qui nous pourchasse. Ou au moins qu'ils laissent entrer les pilleurs. Mon dieu, il y a trop de lecture. Ils ont peur. Les autres pour la nourriture, pour l'eau. Je ne peux plus rester ici.
Les démantèlements de une première équipe, blablabla. Bon, je vous épargne tout ça, s'il vous plaît. Enfin, je m'épargne tout ça. C'est de la merde. Merde, j'en ai rouvert une autre. C'est pas grave. J'en ai plein, faut les utiliser. J'avancerai sur une de ces saloperies. Je sais pas où je suis, les gars, là. Vraiment, je sais pas où je suis. Et je vais dans la direction opposée de là où je devrais aller. Et bim! Bim! Il m'a fait flipper, ce connard. Bon, on va arrêter les fumigènes, je crois que... On a assez donné. Bah oui. Bah oui. Ah bah tiens. Oui. On va sauvegarder. Et je veux m'assurer que tu fasses rien d'irréfléchi. Je veux dire, on peut choper le spécimen vivant. Deux. Si on la joue finement, trois. On pourrait s'assurer des jours heureux. J'ai des contacts, Wade. Je peux arranger ça. T'es plutôt jeune, Wade. Tu peux pas faire ça indéfiniment. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire quand Sébastopol fermera? Je crois qu'il reste plus que notre pote là. Ah non, il a été libéré. Il a été libéré, le con. Bah, ils sont tous morts. Quelle horreur. Rip. Rip. Ils sont tous morts. Les androïdes les ont massacrés. Pourquoi, putain? Pourquoi? J'en sais rien. Le pauvre. Samuel doit le savoir. Samuel. Pourquoi? Wade lui a demandé d'accéder à Apollo. Il faut que je le trouve. T'as vu Taylor ou Marlowe? Non, non. Ils sont pas ici. Très bien. Ricardo? Ricardo, si je pars à la recherche de Samuels, tu peux gérer cet endroit. Tu seras mes yeux et mes oreilles. Hors de question que je reste ici. Ricardo, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux t'occuper de la station et assurer mes arrières? Ricardo? Ouais. Bien sûr, pas de problème. Reste ici, verrouille les portes et laisse entrer personne. Occupe-toi. Je crois qu'il a perdu la boule, notre pauvre petit, hein. Il est parti en couille, là. Alors, trouver Samuel dans Sexone synthétique. Par contre, j'utilise vachement mes munitions. Il va falloir que je me calme un peu. Alors, il faut que j'aille là. Donc, c'est la mauvaise direction que je prends. Et nous avons utilisé une munition de fusil à pompe pour rien. Et je ne peux pas passer par là. Comment ça le mérite d'être clair? Ça veut dire tu fermes ta bouche et tu passes par là. Eh oh, qui va là? C'était sympa ça. Espèce de petit sadique. T'as envie de te faire mes fesses moi aussi. Tiens. Oh, merde, je me suis dit, tiens, je vais enfin pouvoir aller là. Il y a une piece of paper là-dedans. Vous allez vous faire mal. Mais non. Ça picote. Lucas qui utilise ses munitions pour rien. Mais bon, c'est pas grave, on en retrouvera plus tard.
Alors. Et nous devons aller ici, les amis. Oula. Elle s'énerve, la voix. Petit étirement. C'est du sport, Alien. Les doigts, la souris. Trop stylé. Concentre-toi. Ricardo, si Samuel s'arrive à consulter Apollo, il pourra calmer les androïdes. On en aura enfin fini. Trouver Samuel dans Sexon synthétique. J'imagine que c'est par là. L'ascenseur. Oh putain, qu'est-ce que je suis fort! J'imagine que je suis pas tout seul. Tiens, c'est l'hôpital. C'est pas grave. Alors, où est-ce qu'on va se retrouver cette fois-ci? Ascenseur. Oui, je vous regarde en air blasé, parce que je crois que je suis allé ici pour rien. Et qu'on se tape un temps de chargement pour rien. Parce que j'ai pas installé le jeu sur mon SSD. Là là là. Ce garçon, des fois. Donc, prendre l'ascenseur. C'était la salle à côté. Ah, des fois je me mettrais des claques, hein. Des grosses claques dans ma gueule. Nous voici dans le bon ascenseur en direction des tours Smic, je sais plus le nom, pour retrouver Samuel. Samuel qui a dû partir en couille. Je crois. Je pense. Peut-être. Ah. Il y a une alerte qui sonne dans les labos pas très loin. Les ascenseurs sont HS. On dirait que les synthétiques de Sixon n'apprécient pas trop que leurs camarades de la Wayland Yutani viennent fouiner. Comment je monte? Va falloir grimper. Il y a un conduit de service dans le coin qui mène à la cage d'ascenseur. Pit. Alors, m'en veux pas, je suis passé à la cage d'ascenseur et j'ai fermé la porte d'accès derrière moi. J'avais un lambda aux trousses. J'ai pas eu le choix de fuir. Que de fuir, pardon. Si je trouve quelque chose pour couper le panneau, le code est 8382. Si jamais tu peux pas, je reviens te chercher là. Aucun signe des tourtereaux. Mais j'ai tout un attirail de flingues et de provisions ici. Allez, on va s'épargner tout ça. Alors ça vient, c'est dans le film Alien. L'androïde essaye de buter la mère de Ripley, je me souviens plus de son nom, avec un bouquin dans sa bouche comme ça. Je sais pas pourquoi ils veulent le mettre des trucs dans la bouche. C'est un peu cracra. Hein. Bande de porc! Vous me dégoûtez! Eh bien. Toi t'es mort, toi t'es mort. Alors il faut que j'aille. Dans l'autre direction. De toute façon, là-bas, il n'y avait rien. Si je dis pas de bêtises.
escalader la cage d'ascenseur jusqu'au labo supérieur. C'était là, les copains. Bon, bah écoutez, on va se quitter sur ce petit passage de mécanicien. Et on se retrouve sur le prochain épisode. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi des petits pouces, ça me fait plaisir. Si vous n'avez pas aimé, un pouce rouge, c'est pas très grave. Un petit commentaire. Et n'oubliez pas qu'en faisant tout ça, ça fait évoluer la chaîne. Parce qu'on devient de plus en plus populaire et de plus en plus de gens regardent. Et j'ai de plus en plus envie de m'impliquer. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. A bientôt!